Il n'y a pas une allée suicide. Je pense qu'on va galérer à le trouver le capitaine. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, ça va être compliqué. C'est énorme. Hein. Vu la baraque, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Alors, désolé, vous n'êtes pas sur la mer Pure Truck TV, mais vous êtes avec lui. Je veux dire bonjour. Abonnez-vous. Bonjour. Voilà. Alors, attends, je vais essayer d'être le déniché avant que tu te stationnes. Comme ça, tu pourras lui canarder la gueule et on n'en parle plus. Et comme ça, on rentre chez maman direct et on n'en parle plus jamais. Voilà, fin de la quête de niveau 8. Ah, déjà, il y a un squelette pour m'accueillir de ce côté-là. Bon, c'est un squelette en mousse, ça compte pas. Y'a des poulets! Ça compte. Les poulets, ça compte toujours. Est-ce que tu penses que si je trouve des cochons, ça compte double? Oh, j'ai l'impression que ça va être au milieu. Hein. Je pense qu'on a trouvé nos potes. Tu les as trouvés, ça y est? Ouais. Ok, bah, faut que je passe par le mid. Je passe en mid, Ah bah c'est super. Là c'est une pile poil où il y a un rocher. Ah. Oh merde. Tu peux retirer là. Ah oui. Ouais bah attends, j'ai pas de... Merde. Si tu tires pas, je vais crever. Hop là. Petite feinte moldave, ils étaient pas prêts. Hop hop hop. Le petit zouk. Ah ok. Je vais prendre la bonne vague. Ouais, non, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Doucement. Faites un sourire, faites un sourire. Voilà, là, ils sont devenus solides. Voilà. Moi, je dis, on peut le récupérer, ce baril. Oh, le bâtard, le baril! Putain, le bateau! Ah bah tu... Ah oui, t'as dû lui mettre 1 million de dégâts. Nous allons rester ici. Au fond de l'eau. Putain, je suis tout mouillé. Oh, la situation tellement épique. C'est un truc aussi. Oh voilà, je pense que style à moitié coulé, c'est un bon style. Alors, reste-t-il des gens Allez, lumière du soleil. Moi, je dois la banane. C'est bon, nickel. Ok, j'espère qu'ils ont des bananes parce que là, je suis pas frais. Pas de banane. Voilà, pas de banane. Monte à bord. J'arrive hein, si je meurs pas. Hein. En fait, ils m'ont fait aucun dégât, c'est toi qui m'as fait tous les dégâts. Je crois qu'on prend l'eau. Non, non, j'ai juste pas fini, putain. Ah, d'accord, bon, bah je finis alors. J'espère que t'as rien contre. Hein. Bah écoute, c'est pas plaisir, hein, je sais pas. On est en train de faire une quête en fait. Ouais, tout est une question de plaisir avec toi, je le sens bien comme ça. Oui, c'est ça que tu voulais faire ou pas? On peut aussi, oui. Fais-toi plaisir, quoi, c'est ça? Ok, d'accord. J'ai compris le concept. Du faire plaisir. C'est le faire plaisir. Clac. Nom. Ça va repop. Ça repop. Tu revends pas de t'es mort. Et ils sont trop près du bateau, c'est fantastique. Y'en a un qui est un peu fâché. Hein. Y'en a un qui m'a mis la max. Hein. Allez, c'est parti.
Bah, revenez les gars, on s'amuse bien quand même ici. Ça, ça veut dire que t'as tiré à côté. Ah, j'ai tiré à côté aussi. Vague. Allez, la mer est... Ouais, ce qu'ils disent tout soi, moi aussi c'était la mer. Taquine. Hein. Ah, c'est trop à cette distance, ok. Ouais, un direct alors. Allez, direct. Moi j'avais visé au-dessus parce que je me suis dit ça y est la balle commence à avoir la balistique à cette distance, mais non en fait. Ah, alors là il y a un baril. Voilà. C'est beau. C'est de l'argent perdu, mais je me suis fait plaisir. Et le dernier qui reste là, c'est un capitaine. On va le canonner un peu. S'il n'est pas trop près. Ça passait. Je peux pas toucher un peu. Ah là, ça devrait venir. J'aime bien ce capitaine coopératif. Voilà, c'est. Allez, j'y vais. Hop là. Nice. Ok, je l'ai. Alors, quelle est la suite, monsieur? Qu'est-ce que j'ai sur moi? La suite? C'est une suite à ça? Oui, chapitre 2, monsieur. Ouais, t'as quand même pas cru qu'on allait juste se barrer avec un capitaine quoi. Avec juste un pauvre crâne de miséreux quoi. Oh, alors lui attention tu tires pas dessus hein. Parfait, tiré dans la jambe. On est quand même reparti avec un tonneau de poudre. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau à la communauté. À ta communauté de la MR Petrock Télévision. Toujours plus nombreux hein, sur la MR Petrock Télévision. Incroyable. Ah bon? Oui, je crois. Vivi. Parce qu'il y a, il y a, il y a moi, mais il y a aussi ma nouvelle folie, donc du coup, on est pas mal. C'est vrai. Zblu. Où est cette île? Je ne sais pas. Je pense que vous allez nous le dire, Maître Bob. Qu'est-ce qu'on cherche comme île? Attends un petit coup de main, peut-être. Villes, En bas à droite. De toute la map, hein. En bas à droite, hein. Mais genre en bas à droite, quoi. Pas un peu, genre complètement. Yes. Genre bien en bas à droite, quoi. Bon, c'est plan sud. Hein. T'es sur le bateau, hein. Oui, oui, oui. Donc on a dit plein sud, voilà. Désolé petit squelette. Ça dépend, est-ce qu'il avait un tonneau? Non. Non. Je l'ai tué quand même. Non. Par question, simple question de respect envers nos hôtes. Qu'est-ce que t'es cruel. Ah, musique capitaine, c'est ça? Oh, petit bug! T'entends la musique ou pas? Du tout. Oui? Non? Non, non, du tout. D'accord. J'ai réussi à faire bug le jeu. Je fais un haut bas gauche dash arrière B. Et voilà, ça fait ça. Nice. Nice. Ça me fait plaisir. C'est vraiment. Ça y est. Ça, t'es triste parce que tu n'as pas réussi à le faire toi aussi. Surtout pas essayer. C'est ça. C'est qu'un peu comme le donjon de Nullbug, c'est personne n'en est jamais sorti. Faut dire que personne n'y est jamais rentré. C'est pareil. C'est ça, voilà. C'est pareil. Il tente des moves incroyables. Le entre deux cailloux, avec 75 mètres entre chaque. En sloop. Parce que c'est vraiment plus chaud quoi en soupe. Je peux le faire en vieux pic. Ouais! Il est passé tellement près!
C'est ça. Et vous savez comment il l'a fait? Et bah c'est grâce à notre nouvelle gomme pour coque. Alors on va l'appeler comme ça. On va l'appeler comment? La Terbentine. Non. Avec Terbentine, tu glisses mieux entre les rochers. T'assures une meilleure ligne de flottaison. Ah. Alors, putain, les pubs de merde. Y'en a glissé sous la... C'est un concept très conceptuel. Et bien voilà. C'est super, on n'a pas le vent, waouh. Ça va, ça va. En vrai, ça va. En vrai, on a connu pire. On a connu bien pire. Qui es-tu? Le musicien. Bon, c'est bien toi. Je suis le musicien. C'est bien toi. C'est... Parce que pendant 2 secondes, t'étais positif quand même. On en parle. C'est vrai, tu as raison. Maître Bob, ah, voilà. Je vous signe mes adieux. Au revoir. Non. Pourquoi? Non. Bien. Je vous suis, hein. Ça va, on traverse que la moitié de la map, alors. J'arrive. Pour plus, on est... Mais non, mais trace, je m'en fous, je prends un taxi. Ah, oh, il a ralenti, oh, wow. Ma vie, c'est de la merde. Pourquoi il a fait ça? Il a disparu. Il tente un record d'apnée. Tout ça au jour de la musique. Le mec possédé, quoi. Oh, est... Hop, voilà, c'est reparti tout seul. Pipe pas les poètes, pipe pas les poètes. Pipe les jambes de bois. On se fait tirer dessus. Oh, c'est un bel obus, ça. Ça, c'est un bel obus, mais il est court. C'est un peu court. J'ai l'habitude de faire face à ce genre de situation. Mais... Je fais toujours ça sans pression. Voilà, ouais, voilà, la balistique. Exactement. Ça touche. Non, pas. Même pas. Petite bite. Je vais tenter un petit coup de snipe quand même, hein, au cas où. Au cas où t'as un PGM. Eh bien non, nous ne sommes pas un PGM. Oh, ça décale tellement. C'est terrible, hein. Ok, c'est bon, on va aller sur la colline là-bas. Ça décale de ouf. Il y a vraiment du mauvais shit dans la balistique. Hein. Non mais le problème c'est que quand on avance à fond, enfin vitesse maximum. Ouais, tu donnes un mouvement maximal à toi. Ah bah y'a une bouteille droit devant. Là on va se garer. J'y vais. J'y suis presque. J'y suis presque. Je vais l'atteindre. Je la vois. C'est un godet. Une coupe argentée. Coupe argentée. C'est fait partie des défis des gangs, là, des clans, des marchands, des factions. Là. Et du coup, si t'en as assez, bah à la fin, t'as un petit bonus, quoi. Parce que t'as rempli un petit succès, quoi. Donc, hop, ça te donne des points. Donc, c'est très très bien comme item. C'est un joyeux, bon petit item. On avait déjà ramassé. Oui, j'ai ramassé de tout. Allô, case. J'ai ramassé de tout. J'ai pas vendu de tout, parce que des fois je suis un blaireau, je les oubliais. Et je quittais le jeu en faisant. Et merde, j'ai oublié de vendre mon coffret. Bah, c'est hier, j'ai failli partir en laissant un crâne dans mon bateau. Ouais, tu vois, c'est un peu dommage, quoi. Et heureusement que j'ai fait un dernier tour, quoi. C'est le truc gros, c'est un crâne que j'avais trouvé comme ça, sans chercher. Tu penses pas forcément. T'es passé par où? Tu fais un tour de plage, je ne sais pas. Parle-moi. Oui, c'est ça, je fais le tour de l'île. Très bien, très intéressant. J'ai commencé à monter sur le premier niveau du plateau.
La forêt est dense, les cochons sont nombreux. Il fait bon vivre. De toute façon, c'est un capitaine qu'on cherche ici. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si je fais bien les choses, normalement, il me l'a pas mis trop loin là. Il s'en prend ce petit point là. Je sais pas sur un petit F12. J'ai la musique. Non, c'était Windows. Windows, bordel de chute. J'ai la musique. C'est pas un coursier pour aller dans Xbox. Moi oh, j'ai trouvé un journal. Continue. Prends la carte. Ah, petit bâtard. Petit bâtard lui. Oh merde. Allez. Et tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, Jack. Fais pas ça, Jack. Disons que j'en ai trouvé quelques-uns. Je suis sur la plage. J'espère qu'on va pas me taper trop fort. Soyez cool, hein. Oh putain, y en a un autre avec un tonneau de poudre. Oh les bâtards. Oh le bâtard. Oh le bâtard, Bob, devant toi. Oh, ouvre tes yeux, vite. 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 Ouvre tes yeux, vite. Ils sont derrière. C'est bon, ils courent plus. Nice. Il court à fond, il est dessus, de ouf. Oh, il s'est fait plaisir. Oh, il s'est fait plaisir. Il y a même un cochon qui a sauté avec. C'est quoi ça? Relique dorée. Bon, c'est mignon ça. Je vais porter ça au bateau. Ah, c'était là-bas. Vraiment, hein. C'était juste à côté de toi. Ah, il y a le capitaine. Oh, bah vas-y, hein, casse-lui la gueule. Hein. Je fais des allers-retours avec la marchandise. Tout est super loin. Puis, sinon, après, ça fait un épisode trop intéressant, c'est chiant. Tu vois, si vraiment je t'abasse de capitaine d'affilée, que je participe vraiment, ça va se voir. Ça va se voir, et tu sais, j'ai des quotas à respecter. Hein, donc là, j'arrive, je dépose mon truc, et puis je fais de la musique, quoi. Sinon, ça va se voir. Je pourrais rapprocher le bateau, par contre, si tu le souhaites. Oh, le squelette qui a bugué. C'est des barres. Il y a un squelette qui a tapé dans un de ses potes et... Et c'était des barres. Il est parti à l'autre bout de la mer. Putain, j'ai pas de banane sur moi et il m'a rajouté 2 PV. Ah. C'est embêtant. La tactique est certaine. Alors, quelque part, sache que je reviens. C'est vrai, ils sont buggés quand ils sont morts. C'est marrant. Ouais, à moitié, ouais, un peu. Ça fait plaisir, hein, n'est-ce pas? Ouais, ils m'ont quand même pris un faux. Ah ouais. Plus, Voilà. Non, nouveau putain, look. Un peu chasseur. J'enlève ma garde, voilà. Il m'attaque. C'est dit. Enfin, logique, tu me diras. Coup. Ta pote. Je suis mort. Alors. Tu es mort? Ouais. Ah, c'est dommage. Fort, j'étais là. C'est dommage. Je pense que tu peux déjà rapprocher un peu le bateau si tu veux. Il faut un peu d'âge, tu... Quoi? Ah, tu enregistres. Tu fais une tentative d'enregistrement, mais tu n'as pas la machine de guerre que je possède. Non, pas du tout. Je cherchais une commande sur Xbox. Mais je peux pas m'abonner. Je voulais savoir s'il y avait un raccourci screenshot. Merde, j'ai plus de balles. Ah, il faut que j'aille me le régler à l'ancienne. Ah, c'est le capitaine. Wow, 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 wow. Ah, il y a l'autre. Je suis là, quoi. Ça y est, je l'ai tué. Ouais, j'ai vu ça. C'est parce que vous lui aviez laissé un point de vie, capitaine. C'est pour ça que j'ai réussi à le tuer. Jolie petite décoration, dis donc, dans ce bateau. C'est-à-dire, ça pue le fric, quoi. Coffre. Je te laisse rapatrier le bateau là où il y a les barils sur la terre ferme, parce que je viens de repérer un coffre, donc je vais aller le chercher.
Il est en hauteur. J'ai posé les crânes avec. Tout droit, ah, mais attends, il reste encore un capitaine ou quoi? Ah, mais oui, il reste encore un capitaine. Bah, ouais, ouais, ramène-toi, hein. Écoute, hein, vas-y. J'arrive. Oh là là, le ramage qui se rapporte au plumage, au secours. Toujours des problèmes incroyables de. Ce cochon qui se suicide. Je pense qu'il faut faire un groupe Facebook. Hein. Ah, d'accord. Tu serais pas un PGM un peu dans la vie Non, c'est les capitaines au tromblon là. Il était tout seul sur la plage, je l'ai pris au close. Puis ouais, tu le démontes quoi. Ah, toi, il était direct, il a spawn direct. Ouais, 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 écoute. Seul comme un grand. Donc je te pose tout ça sur une plage. Nouveau chapitre. Ah, ça touche. Et moi je vais chercher le coffre. On dirait tellement pas que ça touche par contre. C'est ouf, c'est pas bizarre. De cul, hein. Wow. Je pense que quand la nuit tombe, ça rigole plus. Hein. Pas le plus jeu. Ah, tu vois c'est plus, tu vois pas un spet NASA. Hein, putain, R6, baisser hein. Les shaders, enfin les qualités graphiques ou quoi, ok, ça, tu vois rien. Y a pas de cheat possible. Ouais, no cheat for all. Cannabis moins, Pantos, ça pousse à utiliser la... La lampe, en ça... fait. Ça. C'est ça. Sur le nombre de jeux où on enlève les ombres, c'est bon, tu vois. Sinon, après, t'as les jeux façon... comment il s'appelle ce jeu, la con Seven Days to Die, ou... Par contre, là, tu peux avoir une torche dans les mains, tu vois rien, quand même. C'est bon. Ouais, mais le jeu là, tu mets la luminosité à fond. Enfin, ouais, t'es obligé de. Ah, les gammas, la teuf, tout ça, ouais. La cascade. Je suis au-dessus là ou pas? On a plus haute encore la cascade? Pas trop, hein, j'essaye. Non, non, mais elle est où? Ah, mais aide-moi là, il faut que j'attrape le coffre. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai visualisé. Merde! Si tu vois le bateau, tu vois. Je me suis fait bobo au doigt. Ah c'est ça, mon perso a pas trop kiffé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Bien le petit rototo qui fait le monsieur. Bon du coup je te montre le dernier baril. Et puis je vais essayer de me tirer là où il y a le trésor. Parce qu'après tout, tout le monde le sait, je suis un pro du boulet de canon. Officiel. Mais tu, voilà. Tu l'as vu où là où j'ai réglé le canon. Ah oui, c'est vrai qu'on ricoche dans ce jeu. C'est vrai qu'on ricoche dans ce jeu et qu'on ricoche bien. Parce que j'ai fait un beau rebond. Hein. T'as vu ça d'ici Non, mais de la plage, mais il faisait encore à peu près jour. Donc, voilà. Ouais, par contre, les tirs en cloche, c'est moins ma cam. Bon, bah, on espère que c'est bien réglé, hein. C'est dégueulasse comme réglage. C'était au-dessus que tu voulais aller, ou... Ouais. Dans la falaise. En tout cas, c'était pas de l'autre côté de l'île. En tout cas, crois-moi bien que c'était pas de l'autre côté de l'île. Du coup, bon, on va remonter, hein. On va retenter des moves incroyables. Ouais, j'ai abondé. Bonjour, c'est pour un sondage. Tu l'as chopé le coffre, c'est bon? Non, non. Merde. Alors. Ok, j'y suis. Donc on disait, il faut que je saute juste là. Voilà. Et à partir de là, juste. Mais arrête de me faire glisser. Mais l'autre, il te fait glisser, mais. Il te fait une glissante, quoi. C'est bon, je l'ai. Hop. Voilà, j'ai le petit coffre. Ouais, ça aurait pu être un coffre de capitaine, ça m'aurait arrangé quand même. Là, j'ai un peu fait tout ça juste pour un coffre d'aventurier tout pair. Ah, que ça fait toujours quelques points de pex dans le truc des guildes, mais.
C'est clairement pas pour l'argent. Hein. Quoique. Tellement pas de pognon. Tellement fauché. Alors. Ah oui! Ah oui, effectivement, ça a été la teuf quand t'as tiré dans le baril à côté du bateau. J'avais pas vu en bas. C'est sur la même île. De quoi? On n'a pas fini en fait sur cette île. Mutineur Rock, la bouteille. Et ensuite, c'est Mutineur Rock. Ah oui, c'est sur. Mais c'est cette île là ou pas? Non, c'est une autre île. Non, c'est pas du tout. On est sur Devil Ridge. Le Mutineur Rock, est-ce que ce serait pas à gauche? Putain, c'est juste à côté. Ouais, c'est ça, hein, juste là. Voilà. C'est côte-côte. Hein. C'est... Ça, par contre, c'est très agréable. Merci. On a traversé toute la map, mais après, ils nous ont dit non, mais ça côte. Franchement, ça côte tout. oui, là. Voilà. Vous avez toute la voile, monsieur. On va vers la gauche ou vers la droite? Vers la droite. Les voiles sont à droite, capitaine. Incroyable. La musique, capitaine. Comme si c'était fait, capitaine. Pipe à la pouette, pipe à la pouette. Faire une tatouille là, hein. C'est raté, Jack. Oh. Et non, Jack. Désolé, Jack. Ça nous tire d'où? De l'île là? Ah oui. Il est tellement triste. Je trouve que là-dessus, le jeu il abuse tellement d'ailleurs. Parce que, je veux dire, avant qu'on parte, en gros, je suis monté là où il y avait le canon. Il y avait personne. J'ai pris donc le coffre, j'ai plongé dans l'eau, je te l'ai amené, puis on a décollé quoi, quasiment. Hein. Et le gars, il a eu le temps de pop, régler son canon, vas-y, feu. Hein. Lol. Oh. Ah, c'est ça sur ces deux canons. Combien de squelettes sur ce style? Il y en a 4. Ah non, il y en a pas 4. Ouais, c'est ça, il y en a 6 quoi. 4 plus 2, ouais. Il y a 6 capitaines. 3 plantes et 3 plantes. C'est une histoire de bateau, plantes. Là où c'est plus intéressant. Bah, ça va être de l'autre côté. Ouais, je pense. Je pense que tu auras besoin d'un petit peu plus de voile quand même, non? Ou t'es bien comme ça? Non, parce qu'après on va trop vite et finalement on fait de la merde. Alors tout de suite je fais de la merde quoi. Wow, genre ma vie c'est de la merde, salut au revoir, je m'en vais. Ferme-la. Voilà. C'est toi qui te plaignais que je me plaignais pas assez, tout ça. C'est bon hein. Ouais non mais. Les choses bougent dans les buissons. Wow, c'est pas un vélociraptor. Ouais, y'a du baril sur la plage, les gars. Ah oui. Ben, alors y'en a un par contre, voilà. Il y en a un, je vais pouvoir le récupérer. Un tour au village. Si t'es mort, désolé. Non, essaye de pas exploser les deux avec les tonneaux là. Je vais pouvoir les avoir. Ah. Allez. Où je tire. Allez. Quoi, il est toujours pas mort? Salaud de con. Dernière balle. Papouette. Je l'ai pas eu, je crois. On va pour aller sniper tranquille ici. Je suis dégoûté, si je pouvais avoir son baril, ce serait merveilleux. Alors, il y a un squelette qui nage avec un baril en direction du bateau en arrivant par l'arrière, c'est normal. Je respecte, un squelette qui nage avec un baril de poudre, c'est normal. C'est une utilisation normale du squelette et du baril de poudre. Ne vous inquiétez pas. Ceci est normal. Don't panic, be happy. Si les squelettes avec le baril montent l'échelle, c'est normal. Tête.
T'es bon, t'as pas eu envie de me tuer. C'est surtout sur 7 Days to Die que t'as envie de me tuer à chaque fois. Je suis un zombie sur 7 Days to Die, visiblement. C'est vrai. En même temps, ce jeu, c'est compliqué des fois. Hein. Ah, il y a un autre skeu avec un baril. Là, le tue pas. Hein. Je lui ai mis je sais pas combien de cartouches, il est au bout de sa life. Hein. Je vais essayer de l'attirer un petit peu là. Il y a un risque probable que je loupe. Ah, fais gaffe, il y a du skeu en or. Il y a du skeu en or sur place. Il me dérange pas. Ouais, bah moi je vais canonner par contre. Hein. Attends que je récupère le baril. Ouais, je viens de tuer un squelette qui tenait le baril. Là je suis chargé à la bloc. Peut-être sniper quand même. Tu vois. Je suis tenté de sniper, mais ça n'a rien à faire. Quoi. Ah, il y en a un autre. Ouais, c'est celui, c'est le plante, c'est ça? C'est le plante qui a. Ouais. Ok, j'ai un baril de poudre. Bah, fais sauter l'autre baril, vas-y. J'ai fait sauter l'autre baril s'il faut. Ça va te libérer. Oh, le souffle! Détonateur de squelette d'or! Félicitations, monsieur. On a bien fait d'attendre. À première vue, ils ont pas aimé. Ah! Culé! Il est encore vivant. Oh. Encore debout. C'est qu'on fait du baril, monsieur? Crois-moi bien. Il y a déjà un nouveau groupe qui est sorti. Hein. Qui est sorti. Tellement il tangue le navire, c'est fou quoi. Ça a fini de bouger comme ça, c'est bon, c'est passé le shot il y a 1000 ans. Faut que je descende, capitaine. Oui. Chaud. Ouh, cache et gling. Oh putain, je suis au-dessus. Oh. Il y a de la chance, c'est parti dans le rocher, mais alors, c'était à rien. C'était à rien à ce qu'ils se la prennent. Je vais les embrouiller au close. Bien joué. Oula, il y a un petit lot de capitaine là sur le teco. C'est dans la merde, hein. Ça va aller, j'ai réussi à m'en dégager. Et j'ai fumé ceux qui étaient au close. Je recule parce que vu que c'est des plantoïdes là, avant qu'on les ait, on aura un peu de marge d'erreur. Il faut qu'ils reviennent sur la plage. Tu peux rien leur faire tant qu'ils sont dans l'eau. Ils régénèrent. Je veux les bait. Je peux essayer un petit coup de canon. Oui, sort du monde. Ah ouais, d'accord. Ah oui, effectivement, on a du recul de ces morts. Je crois qu'on va attendre la vague descendre. Et sinon, à un moment donné, elle descend cette fameuse vague ou nique sa race?
sa race. Bah c'est plus tir. Je suis mort. T'es mort aussi, je suppose. Moi, je mange des bananes là, tu vois. Ça devrait tarder, du coup. Oh la douleur. Parce que là, des plantes comme ça sur une île aussi petite, c'est la douleur quand même. S'ils sont dans l'eau tout le temps. Oh, ça va être doucement. Oui, c'est ça. Bah, t'en as déjà eu un. Faut déblayer ceux qu'on peut tuer de loin déjà. Les petits. Il ne nous reste que les capitaines. Ouais. Ça se fait chier avec les. Que moi, c'est pour ça que j'ai plus trop cher. Hein. Les petits. C'est... Peut-être les avoir au cadon, justement, ceux-là. C'est moi qui recharge, vas-y. C'est moi qui recharge. Vas-y. Allez, un crâne. Allez. J'ai plus de boulet. Je reprends. Je charge. C'est chargé. Attends, ah bah non, il vient vers nous. Ok. T'es si costaud les enfants. Ah oui, il régénère en plus dans l'eau, c'est vrai. Ah, c'est bon là. Ça déblaye un peu là. Comment ça. Tu veux que je l'amène sur la côte lui? C'est juste un tireur donc ça me dérange pas, je l'emmène sur la côte. Fait du dégât aussi les boulets de canon. Oui, c'est pas grave. J'avoue, il reste un nombre de bousquets, bande d'enfoirés là. Crève. La gueule. Pourquoi pas. J'essaie de te les maintenir au milieu de l'île. Je suis mort d'un coup de pistolet. Oh, en tout cas, je les ai bien fait danser. Hein. Ah, t'as plus qu'à les finir un petit coup de canon ou deux dans la bouche et c'est réglé. Hein. Et ce n'est que le deuxième chapitre. Chapitre 3, juste sur un caillou, 12 capitaines. C'est parti. Wow, tu viens de tuer le capitaine Typhon, man. C'est un typhon. Ouais, man. C'est un typhon, man. Incroyable. Parce qu'on va avoir masse crâne dans le bateau. Ah oui, on va avoir... On va se saouler de pognon, ça va rien vouloir dire. Le galon est là, par contre, hein, j'annonce. Hein. Le galon, il est tellement présent... ça n'a plus de sens. Oh là, j'avoue, il y a des crânes partout. Plutôt des bons crânes, en plus, hein. Celui que j'ai pris là, le premier. C'est un doré explosé là, un éclaté, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Ah, celui que je ramène là, tu vois, c'est un métallique mais un fissuré. C'est, t'as les métalliques et les non fissurés, t'as les mécaniques métalliques fissurés. Et là, ça commence à être sympa, ouais. À partir de là, on discute. Ah putain, il en reste encore deux. Dont un autre fissuré là, et celui-là il est comment? Celui-là aussi fissuré. Cool. Bah top. Il n'y en avait pas dans l'eau aussi.
Je ne sais pas. Faut qu'on, compte nos crânes. Il y a trop de crânes. Ah, sur la première mission, on devait tuer combien de capitaines? 3? Sur la première, ouais, 3. 3. Fou. 1, 2, 3. 2 2 sur la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment ça se fait qu'on a 9 crânes? Il y en a un trop? Bah, peut-être 3 alors. C'était 3 la première alors, hein. Ouais, c'est ça. Hein. Du coup, là, on a encore des. On en a encore à faire ou? Bah, oui, monsieur. Chapitre 3. 1 sur Thief Seven. C'est à côté. Est-ce que tu veux que j'y aille à la nage? S'il te plaît. Au moins, ça fera un fun. C'est chiant, hein, parce que là, faut vraiment lever l'ancre à un moment donné. Maintenant, on va faire des épisodes courts. Putain! C'est incroyable, quoi. Mon PC va être content. Mon PC, ils me font la main à tout. Je suis en train de crever. Là, si tu pètes un œuf dessus, je pense que t'es bien. Ah, sans déconner, là, où je tiens ma main, je fais cuire un œuf. Hein. Easy. Hein. Vraiment. Comme mon ancien PC. Pareil. Ah, c'est ça. Oh putain. C'est horrible. Ça fait beaucoup de putain. Tu sens même l'odeur du plastique chaud. Alors, heureusement, moi non, c'est plutôt métallique. Mais du coup, ça cuit vite. Ça cuit plus vite ta main. Autant de dire que les petits œufs à la coque. Petit délice. Hein. Petit délice. Ah, la cloche est toujours buggée. Ça fait plaisir, hein. Les classiques, les Disney. Comment. Faut m'expliquer comment ils ont fait quand même le jour où ils ont rajouté des trônes en bois pour bugger des cloches. Faut m'expliquer. Vraiment, non, moi je veux savoir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 barils de poudre, monsieur. On est pas mal, hein. Ah bah comment ça se défend? Énorme. Thief Seven, ouais. De pirates. Alors là, par contre, ce qui est cool avec Thief Seven, c'est que je crois que le. On a tir de cité. T'es sérieux? Le calme intérieur ou pas? Si tu le veux, hein, écoute. Si tu veux. Si on n'a pas de canon qui peut nous être braqué dessus, tu peux nous mettre à l'intérieur. Ah oui, on te tire dessus. Alors, on nous a touché, capitaine, hein. Yes. Ah mais on s'est fait déjà tirer deux fois dessus, j'avais pas fait gaffe. Je l'avais carrément juste pas entendu en fait. De quoi le canon? Bah l'obus en fait, le premier obus percuté, je l'ai pas entendu. Enfin, ou alors on a percuté un truc pendant qu'on naviguait. Putain de merde. Bah c'est là où tu l'entends, hein. Si tu l'entends bien, c'est que c'est ça. Bonjour. Oh putain, ils me tirent dessus. Fais gaffe, ils peuvent me tirer dessus depuis. Voilà, moi aussi je peux leur tirer dessus depuis le sol. Oh, moi aussi. Pouet. Ils sont en train de me faire mourir. C'est pas gentil. Non, mais sérieusement, là, mon canon il est tellement incliné que ça va se voir, quoi. Oh, mais sérieux, là. Faites un effet aussi, les squelettes là, crevez un peu quoi. Oh, je suis bien, j'ai les munitions derrière. Mais attends, qu'est-ce que je m'emmerde? C'est des tireurs là, LOL, c'est des tireurs! Non mais LOL! Vas-y, si, toi, je vais te hacher, voilà, et toi aussi là. Mais qu'est-ce que je m'emmerde avec ça là, à leur tirer dessus pendant 15 jours? Je m'en fous, hein! Lire une idée de génie. Continuer. Retour. Lire exploiter la malédiction. Continuer. Retour. Ça y est, je suis mort. Mais j'ai lu le bouquin. Je suis très content. C'est tout ce que je voulais. Je voulais lire ce livre. Oh, je peux continuer à le lire dans la mort. Oh, ah d'accord, c'est buggé. J'ai cassé le jeu. Au secours. J'ai cassé le jeu. Encore. Mais non. Ah si, ça y est, c'est bon. J'ai cassé le jeu pendant un instant.
À l'instant, le jeu, il en pouvait plus. Couler mon navire, oui. Bob, il va falloir que tu sortes des planches. Je déconne. Quel humour. Très haut. On se fend la poire. J'ai dit à cette distance. Cette distance. Bravo monsieur. Capitaine. Viens me voir papa. Viens me voir. Viens me voir. Venez me voir. On va faire un calme. J'ai une munition. Bonjour monsieur le capitaine. Oulou. Il a même pas d'armes. Faut pas qu'il aille vers la plage. Faut pas qu'il aille vers l'eau. Faut pas qu'il aille vers l'eau. Tu lui manges pas. C'est bon, je vais violer. Ok, c'est bon. Je vais piquer son crâne. Il faut que t'ailles dans l'eau pour le ramener sur la plage, sinon tu vas mettre 15 jours à le tuer. Ça y est, il est mort. Ok, formidable. Ah, chapitre 4. Non, c'est bon, foutez-nous la paix. C'est bon! Je vais payer des premiers. Ah, maintenant on peut juste faire un petit tour vite fait de l'île, voir s'il y a un truc à se mettre sous la dent. Attends, on va essayer de passer dans l'île en fait. Tu peux faire ça, ça peut se faire. C'est demi-tour, on va taper, c'est sûr. En fait, il n'y a qu'un seul truc que je voudrais voir, c'est s'il y a un coffre sur la planche là. Non. Je sais pas vraiment si on va trouver autre chose quoi. On peut arriver. Bon, après, c'est pas ce qui est censé manquer. Le bruit est vraiment très bugué, pratique. C'est pas très rassurant quand tu veux t'arrêter, mais... Ouais, mais c'est parce qu'ils ont ajouté, tu comprends, une mèche sur les barils explosifs. Ah oui, moi c'est le bruit de la cascade qui est bugué. Bah, tu comprends, ils ont amélioré les graphismes, donc c'est normal. Si, bah t'as lu. Petit batalu. Bon, j'ai fumé le squelette qui pouvait nous tirer dessus déjà. J'ai ça de gagner. Tu rigoles en disant j'ai toujours rêvé de dire ça, je te tire dessus. De quoi? C'est un personnage de Fallout 4 qui fait cette réflexion. C'est calme, c'est trop calme. Il fait après j'ai toujours rêvé de dire ça. Connard. Je sais pas où tu es, mais vas-y. Au milieu de l'île. Ah, c'est pour ça que je te trouvais pas. Dans l'eau. Dans l'eau. D'accord. Je vais chercher sur les. Forcément. Bah oui, forcément. Ah mais tous les sons du bateau sont buggés quand je suis dans l'île. C'est trop marrant. Le bateau n'existe pas en fait actuellement, je pense, pour le jeu.
on n'est pas en contact direct avec le ciel. Je pense que c'est ça. T'es sur le bateau là ou tu... Toi, je hante le navire. Super, bon bah je continue de lever l'ancre. Je pars sans toi. Bonjour. Ah, il y a un bateau droit devant. Tu sens un amas pognon. Hello. Bonjour. Au revoir. Bah, c'est cure. On a trop de pognon avec nous. Franchement, c'était plutôt cool. Ouais, ouais, non, bah ça va pas tirer. C'est sympa. Et ouais, ils avaient quand même une trajectoire de type embrouille. Mais je pense que c'est parce qu'en fait, de base, ils avaient prévu pour rentrer dedans. Mais bon, voilà. Ouais, mais là, y'a trop de pognon. T'es mal à tous les crânes. Ah, mais putain, vas-y, le jeu là. Avec ses vagues, il est chiant le jeu. Du coup, j'ai pris le vent direct, mais je sais pas où je vais. C'est pas un avant-poste. Pas, mais je pense qu'il faut y aller. Je crois que je vais droit sur un avant-poste. Ouais, qu'ils font demi-tour. Putain, j'arrive pas à savoir avec la houle de ces morts là. Bon, on va droit devant. Ouais, droit devant, c'est un avant-poste. Ouais, c'est par contre, amène-nous à qui est direct. Hein. Oh, ouais, ouais. Parce que. Je pense qu'on est bien. Bon, s'ils ont fait demi-tour, de toute façon, ils traînent du fion. Donc, Oh, cette houle. Putain, tu peux rien voir quoi. Casse les yeux. C'est moi qui ai tiré ou c'est toi qui as tiré? Je sais qu'il y a un trône ici aussi. Ah oui, hein, okay. Je crois qu'il est calé là en haut. Je peux pas l'avoir. Entre les deux pointes. Ah, je vois. Non. Ah, si, si. En haut sur la palette. D'accord. Alors, excuse-moi, pendant que tu manœuvres, je vais checker. Bon, il n'y a pas de voile. Pas de voile, pas de mât, rien du tout. On est posé. Allez, salut, je vais vendre. Oh, mais à chaque fois, je me fais avoir par ce banc de sable à la con. Hein. Ah, puis alors, toujours le même et toujours au même endroit. Hein. Non, mais toujours c'est ça, mais en fait, on ne voit pas. Mais pourtant, il est là. C'est fou. Hein. Du coup, bateau t'as bugué, c'est ça? T'es coincé? Non, pas coincé. Tu vas le faire. Tu peux le faire. Tu prends toi, mort. Voilà. Allez, bébé. Je crois qu'on prend un peu l'eau. On est pas trop dégueulasse. Ouais. Fuck. En plus, on a juste un tout petit peu de crâne en mai, donc ça va. Ouais, et puis un tout petit peu de baril aussi. Ce crâne qu'on est obligé de tenir dans la main, c'est un relou.
toujours 141, ça fait plaisir. Ah oui, c'est cool. Ouais, c'est les crânes de quête, hein, donc forcément. Ça pèse toujours un peu. 157 le baril. C'est que dalle. Ah mais t'as pas encore vendu le gros de tes crânes. Le plus gros là, le non, explosé. Non, c'était le plus pourri que j'ai pris. D'accord, bon bah c'est cool. Je sais pas, il me semble. J'ai pris un petit quart avec mes 5 barils hein, sur la lance des marchands quasiment. C'est pas rien en vrai. Hein. Ça, je suppose que c'est pour le chasseur de trésors. Chasseur de trésors. Ouais. Ça monte trop lentement quoi. L'ordre des crânes, putain, avec tout ce qu'on vend quoi. Ouais, j'ai pas fait la moitié encore. Ouais, ouais, mais enfin bon, t'en as quand même passé quelques-uns en vrai. Hein. Trois. Je vais vendre un godet. Le crâne. Ah non, ça va être le godet. Oh, attention, un petit bateau en face, hein, je sais pas si tu l'as vu. Ouais. On est où dans l'eau de la cale? Ça commence à être douloureux ici. Ah bah, il y a un trou en haut, je viens de voir. Est-ce que tu peux le bidouiller vite fait, j'écope? Bah, je suis déjà parti. Ok, bah, je le bidouille. On dit que je fais ça. On dit que je m'emmerde pas, je le ferme tout de suite. Ah mais ça rase de ses morts les. Je vis trop haut là, c'est bon là? Non c'est pas. Ah c'est pas bon là. Ah c'est pas bon. Jeu de merde. Oh les timides ou quoi? Qu'importe ce qu'ils font. Sinon on peut vendre des crânes hein, aussi. Moi. Vas-y hein, vends tes crânes. Waouh, super. Faut bien que s'ils voient tout le monde sauter à la mer, on va se faire griller. Moi je sais pas, ça y. Oui. Bon c'est bon, il contourne. Ah il contourne. Enfin, j'ai vu personne sur le navire. Peut-être que le navire se balade, peut-être qu'il y a quelqu'un avec à bord. Tu connais les techniques Fortnite, TMTC. On est sur Sea of Thieves. Aucune différence. C'est le même cancer, c'est les mecs, ils ont regardé des tutos pour enculer les autres. Ils ont regardé des tutos pour enculer les autres, et ils font tous pareil. Oui. Il y a intérêt que tu parce que si tu m'aurais dit non. Hein. Attention. Il est cruel, putain.
Bah ça va, ça se fait, effectivement. Hein. Ben c'est le dernier visiblement. Allez, espérons que les deux crânes suffisent. Il manque plus grand chose pour que je passe mon level. Ah. Ça serait beau. Ce serait beau, mais là j'y crois pas. Parce que ces deux petits crânes de merde qu'on a, c'est pas deux crânes de ouf. Alors, suspense. Ce suspense est long, madame. Est-ce que j'allais dire, ça commence à faire long là. Ouais, je l'aurais pas. J'aurais pas le galon. Le prestigieux level 25. Critibile. Eh bien, c'est formidable. On boit un coup. C'est long, madame. T'es stand là, toi, ça. Ah, bah voilà, je l'aurais pas. Putain, ça rapporte rien, les petits crânes. C'est ouf. C'est ouf. Et du coup, qu'est-ce que je perds là? Mystic Hunter, donc mercenaire mystique. Oh, c'est le nouveau. En plus, c'est le nouveau. C'est le nouveau godet. C'est le godet de la picole. C'est le nouveau godet. Parce que là, moi, tu sais, j'ai le godet du pauvre là, en fait. Quand on y regarde à deux fois. Ça, je suis à 5. Ah, j'ai le godet. J'étais à 5. J'étais à 5 de quoi? Bah là je suis dans le bar, il y a un mec mystérieux, une mystérieuse personne au fond du bar. J'ai cliqué, il m'a dit ouais reviens me voir quand t'es à 10. Actuellement je suis à 5, il m'a dit. Mais, ah. Ouais, ok merci, mais de quoi? Mais t'es à 5 sur aucune de tes caracs de rien. De crâne, de trésor et de marchand, non? T'es à plus... Bah s'il me parle de niveau, s'il parle des niveaux, je suis à 20, 18 et 19. Hein. 20, 18 donc, et 19. Bah ouais. Mais il est bugué. Il te répond de la merde. Bah c'est juste, il précise pas. Pourquoi il parle en fait. Non, mais il se fout de ta gueule en fait. Il faut que tu sois level 50 visiblement. Pour pouvoir passer. Cet homme mystérieux. En dizaine, c'est ça? Ouais, chelou. J'ai le chelou. C'est pour les gueules, salut! J'ai ma chope. Oh, arrêtez de me regarder quand je bois! J'ai mal le vivre après. Il est tout en bas. Là, il est pas mal. Même la vue quant au canon est ouf. Il a rempli ma chope. Yes. Pipapouette. Un escalier cassé. Tellement naze ça comme prétexte pour pas monter. Un escalier cassé. Dans un habitat. Bravo hein. Bon j'ai raté le bar. Je suis loin. J'y suis presque au bar. Je l'ai raté, mais. Attends, c'est l'aventure. C'est vraiment l'aventure de ma vie, quoi. Je vais essayer d'aller à la porte d'entrée. Oh putain! Tu sais, moi, je me suis tiré quand même avec Viril. Remplis ma chope. Ça va, Duke Nukem? Ça a l'air drôlé, Duke. Déjà? Ah, ça y est, tu m'as vomi dessus en plus, magnifique. Avoue, t'es content. Avoue, t'as réussi ta vie. Faut juste tenir le seau dans la main pour. Oui, voilà. Ça. Oh putain, faut que j'arrive à sortir. Hop! Un peu de chien partout. J'enlève ça.
Ça tangue. Cette île n'est pas très stable, tiens. Ce que j'aime bien, c'est qu'on entend de la musique dans ce bar, mais il n'y a pas un mec qui joue d'un instrument de musique, en fait. Je trouve ça tellement triste. T'entends de la musique, toi? Bah oui. T'entends de la musique, toi? T'entends pas la... Mec. T'entends pas la musique du... Mais si, non, mais c'est pas nouveau, la musique dans les bars. C'est pas moi qui suis bugué. J'ai pas de musique. Et là, c'est vraiment une petite musique. Ça y est. Ah bah oui, il y a la boîte à musique. Ouais. On peut interagir avec cette chose. Oh bah c'est fantastique. Oula, je suis en train de décuver là, ça va voir. Tranquille machin. Je vais voir Jean-Pascal. Yeah, ben. Quoi? Pourquoi? Celui-là, pour lui vomir dessus. Ouais non, fallait dire parce que c'est un agitateur. On vient de le perdre, cette référence. Wow. Vous êtes à 20. Encore 50. Sinon, votre réputation, j'esquinte. D'accord. Ah, il boit un coup avec nous. Et ouais, c'est un mec solide. Comme Snake. Un coup, Mayer. Solide Snake. Wow. De rien. Hey, il est dégueulasse, ce man. Il a du vomi partout. Ça, bon, mais... T'es si... Bon, allez, j'ai le meilleur truc à faire quand on est bourré. Je vais me baigner. C'est mieux que d'être dans le bar. Non, on passe pas assez de temps dans un bar dans ce jeu. C'est toujours une idée de mec bourré quand t'es au bord de la mer. Tu veux faire quoi? On va se baigner. On va se baigner. Ouh, je me noie. Quand même mieux de se noyer bourré, quoi. Au moins, ça fait rire. Au moins, t'as une excuse pour mourir noyé. Là, le mec fait un mieux. Non, c'est... Esquive. Ouh. Attends, en plus, t'as un c'est tellement ringard. Je peux pas dire, mais bon. Voilà, quoi, hein. Pas les mêmes moyens. Ah, je suis arbre dessus, je suis vénère. Il va chercher une charge. Ah non, pas, je t'esquive, c'est toi. Mais cours. Oh, c'est chiant de t'engueuler. Ah, mais c'est bon, à première vue, c'est bon, je ne gerbe plus. T'es caté. Je commence à être sobre, c'est bon. Waouh, j'ai fait peur au mec. Ah, on lui a dit le mot sobre. Il est. Tanisé. Merde. Plus d'alcool. Je cours jusqu'au naval. Y a plus d'alcool dans le Godai. Ok. Pim. Bon bah écoute, je pense que c'est bien. On a bien fait les cons. On a bien. Ah putain, mais si, c'est ça. Vite important, mais ça rase de ses mois. Comment j'ai pu oublier? Ça rappelle un truc. Je ne sais pas. Mais tu l'as fait. C'est pas ouf. Enfin, j'aurais pas fait pas comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux en crise? Fais voir. Bon, faudrait que j'investisse sérieusement dans un instrument de musique parce que là. Si t'en as marre que je te saoule, c'est ça. On va me juger après. C'est très vite ce qu'il vend. Barons. Oui, c'est grave. Évidemment. Les barons sont tous dégueulasses. C'est celui-là le chasseur, c'est ça. Nice. Oui. C'est plus. Oui, tu en as. Parce qu'on a dit que c'était cool d'être chasseur, visiblement. Parce que je prendrais pas la pelle. J'ai pas de pelle. Je pourrais prendre aussi la lanterne du chasseur, ça ferait genre autre chose que du... Allez. C'est stylé celle-là. Non, parce qu'elle fait une sale gueule. C'est où? Vêtements, accessoires. Ah non, c'est vêtements aussi ça. Ah yeah, on peut avoir. Ah non, c'est le bandeau. J'allais dire mince, on peut avoir une bagouze. Lol. Vêtements, non.
Ça permet de changer ses armes. C'est pas les armes que je veux, c'est les instruments de musique. Je vais aller en haut. C'est ça pour charger en haut. La shot de désosseur quand même. Elle a un swag, c'est ça. Ouais. C'est bon, changer d'instrument. La lanterne, je le charge. Les instruments, moi, je fais assez de thunes. Le seau, je l'ai. La boussole, je l'ai. La montre, je l'ai. Ouais, si je faisais un petit pas de danse, attention. Petit pas de danse, c'est ici, je crois. Danser. Avec effet lumineux et tout. Ça ferait tellement une miniature pour ton tube. Oh, ton tube, ta miniature! Ton tube! Ta miniature! Parce que c'est ta miniature, ton tube. Allez. On se retrouve pour le prochain épisode sur la MRP Truck Télévision. Oh, putain! Mais les bâtards, regarde! Regarde ma chemise! Regarde ce qu'ils ont fait à ma chemise, gros! Y'a un trou? Non mais... Regarde quand je fais coucou. Ouais. Regarde! On a deux trous! J'ai mon bit qui passe à travers le tissu. Ah oui, t'avais pas vu? J'avais déjà vu tout à l'heure. Mais c'est pas normal! Ah oui! Et là, quand je suis prêt, ils y sont pas, et quand je recule, ils y sont. C'est un bug de... Non, c'est un bug avec le perso, ça. C'est un bug de texture, c'est dégueulasse! Oui, c'est ça. Oui, c'est dégueulasse! Rembourser la MRP Truck TV! De son investissement! Et que fait la police? Bon bah, tu connais la chanson, hein, je coupe l'épisode quand tu dis au revoir quoi. Abonnez-vous! Au revoir. À la MRP Truck TV, des bisous!